pas encore. Oui. Cédric, mais qu'est-ce que tu fous? Je fais chauffer la clé. Mais qu'est-ce que tu bois? Du vin. Quoi? Bah ça me sert de test. Quand le vin sera chaud, ça voudra dire que la clé a changé de forme. T'as pas besoin de picoler pour ça, la carte change de forme toute seule. Tu dois rester en pleine possession de tes moyens pour la suite. Oh ça va. Voilà, c'est bon. On met la carte contre soi pour pas qu'elle refroidisse et on y va. Oui. Sheik, c'est moi. Noémie? Je suis sur un autre codec. Noémie. C'est vrai alors, vous êtes de mèche avec eux? Oui. Mais pourquoi? Mais parce que vous l'avez tué. Vous avez tué ma seule famille. Hein? Oui. Vous avez tué mon frère. Mais... Non, Noémie. Je suis ton frère. Non, Sheik, mon frère était Frank Jagger. Frank? Grey Fox? Oh merde, ça aurait pu marcher sinon. Je crois pas, non. Alors vous êtes la sœur de Fox? Pas exactement. On m'a trouvé dans un champ de roses au Zimbabwe. Comme c'est Mimi, on dirait un livre pour enfants. Vous avez déjà dormi dans des épines? C'est moins mignon tout de suite. C'est là que Frank m'a sauvé. On a partagé ses rations et il m'a protégé. Ensuite, il est arrivé. Qui, Zoro? Vous ne me ferez pas sourire, Sheik. Raté. C'est la grosse boss qui nous a sauvés. Damned. Ouais, comme tu dis, oui. Eh oui, tu dois vraiment m'en vouloir, alors. À peine. Tu as tué mon protecteur et t'as rendu mon frère infirme. J'ai juré vengeance. Et j'ai rejoint Fox dans l'espoir qu'un jour je pourrais te faire la peau. Il va falloir que j'y aille. Reste là! Oui, tout ce que tu veux. Dis, c'est pour ça que tu m'as contaminé au Fox Die? Noémie, je ne t'en veux pas de voir ma mort. Ah bah t'es pas rancunier, dis donc. Mais j'ai un boulot à finir, je dois vivre encore un peu. T'as pas de soucis à te faire, le virus ne s'active que dans un cas très particulier. Et t'es même pas sur sa liste de toute façon. Comment il s'active? Tu dois prononcer le mot cacahuète. Mais c'est super handicapant. En fait, Foxeye reconnaît le code génétique de la personne qui dit cacahuète, et si dans sa base de données, la personne meurt. Il y a un moyen de le déprogrammer. Oui, mais je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? J'en ai pas les compétences. Mais enfin, c'est toi qui l'as programmé. Non, Foxeye a toujours fait partie de cette opération. Quoi? Mais pourquoi? Eh bien, Sheik. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites là? Ah! Non, lâchez-moi! Ah! Sheik! Noémie! Merde! Il faut que je continue. Code PAL 3, accepté. Code de mise à feu, accepté. Hein? Metal Gear est maintenant activé. Quoi? Mais c'est pas vrai! Missile prêt au lancement. Non! Vous êtes vraiment un boulet. Oui, je sais. Bravo, Sheik, je te félicite. Maître, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Oui, en effet, tu as fait une connerie. Et je ne t'en remercierai jamais assez. Quoi? Le chef du DORPA n'avait pas donné son code. Et Mantis l'avait tué pendant l'interrogatoire. Sans son code, pas de mise à feu et pas de missile. On était inquiets, tu penses? Maître, qu'est-ce que vous racontez? Sheik, ce n'est pas Maître Miller. Hein? On vient de voir un message de notre correspondant à Los Angeles. On a retrouvé Miller mort dans son appartement depuis 3 jours. Quoi? Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à l'appeler. Mes mailings viennent me dire que ses communications venaient de la base. Mais alors, qui? Sheik, tu es en train de parler à... À moi, cher frangin. Liquide! Va mourir, Sheik! Du gaz! Sheik? Vite, ouvre-moi la porte. Tout de suite. Liquide. Sheik, ça m'allait bien les lunettes, non? Mais pourquoi? Comme je te l'ai dit, il nous manquait le deuxième code. Sans lui, on n'activait pas Metal Gear, donc pas de menace et pas d'exigence. C'est pourquoi je me suis fait passer pour ton vieil ami Miller, afin de gagner ta confiance et de te pousser à nous aider. Et bravo, tu l'as fait à merveille. Chut! Et maintenant, c'est l'heure d'instaurer un nouveau monde, une nouvelle ère. Ocelot, lance Metal Gear! Tout de suite! Et enfin, qu'est-ce que t'as fait? J'ai lancé Metal Gear, boss. Et il t'est pas venu à l'esprit d'ouvrir le toit avant de lancer? Idiot! Fallait mieux s'entourer, frangin. Si tu me tues, je ne te rendrai pas ta bien-aimée. Péril! Choc! Enfoiré! Il faut toujours avoir un plan de secours, pas vrai, ma jolie? Chalou! Chalou! Mais de toute façon, vous allez mourir seul! Nous verrons. Ah, je crois que c'était pas une bonne idée de cracher avec ton baillon encore en place. Elle allait.
Oui, arrête de parler 5 secondes. Voilà. Ah, je suis tellement content de te revoir. Moi aussi, je suis rempli de joie. Ça fait longtemps que t'as pas dragué, hein. M'en parle pas. Allez, on se barre. Regarde, une caisse. Parfait, allons-y. Shake. Colonel, ta nièce est sauve. Oh, merci, Shake. Merci. Merci. Colonel, voyons, calme-toi. Merci. Oui, au passage, Metal Gear Rex est en état de nuire. Merci. Ok. Ton oncle est content. Sans bec. Pas si vite, Shake. Ce n'est pas fini. Putain, mais tu ne crèves donc jamais. Jamais. Beryl. Beryl. Je suis là. Ça va bien? Oui, je crois bien. Liquide, bouge pas. Je te jure que si tu bouges, je la bute. Beryl, dites au président que j'ai un otage. Je veux un hélicoptère. Je veux me tirer d'ici sans difficulté. Sinon, paf, j'explose la tête comme une pastèque. Liquide, s'il te plaît, calme-toi, on va trouver une solution. Oh non, non. Pas dans ton loop. Tu appelles Campbell et tu négocies. Oh, t'es con. Eh ben, voilà qui est inattendu. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, laisse-moi partir avec toi. Mais c'est que je comptais partir avec Beryl. Allez, fais pas ta pute, je peux pas rester là, s'il te plaît. Oh t'es con, j'ai fini la partie de façon à partir avec Beryl, alors laisse-moi. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, hein? En dehors du fait qu'elle soit une femme. C'est un assez bon résumé. Mais c'est une tête de mule. Oui, tu l'as dit toi-même, c'est une femme. S'il te plaît, Shake, je ferai tout ce qu'il te fait. Ah, tu as de la vaseline avec toi? En fait, je vais attendre le prochain hélico. Voilà qui est sage. Hé hey Shake! Mais c'est pas vrai, mais tu vas crever, oui. Hors de question que je te laisse partir. Reste ici, sinon je bute le binoclar. Oui, oui, à plus, liquide. Shake! Mais Shake, faut faire quelque chose! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais enfin, tu peux pas faire quelque chose pour le sauver? Le piquer? Oh, mais j'y pense, y'a un moyen. Hein? Dis-moi, liquide, et qu'est-ce que tu bouffes à l'apéro? Hein? Des cacahuètes? Et merde, enfoiré! Voilà. Regarde, une montée des neiges. Cool. Un peu d'entrain, Shake. Dave. Hein? Je m'appelle Dave. Dave? Mais c'est laid. Quoi? Bah oui, un peu quand même. On dirait que le chanteur va aider française. Mais c'est moi. Très drôle, Shake. Enfin, Dave. Mais si, je te jure. C'est ça, avec ta voix. C'est grâce aux muscleurs de cordes vocales. Hein? Regarde. Et voilà. Oh, la pauvre petite n'a pas supporté. Allez, on y va. Shake et Peril ont ouvert un très coquet bar tabac presse loto loto foot à Fleury-Méringis. Leur fille, Vulvania, deviendra la première présidente de l'Artiguana, un pays dont tout le monde se fout, mais on est toujours content de se rassurer avec des pays qui font confiance aux femmes. Shake garde des blessures très profondes de son passage sur Pseudomosis. Il n'a plus jamais prononcé le mot cacahuète. Ocelot s'est fait greffer la main de liquide, qui après tout n'en avait plus besoin, dans un hôpital de Lyon. Pourquoi Lyon, qui est plus spécialisé dans l'opération de la paroschisis, je n'en ai aucune idée. Demandez à Hideo Kojima, moi je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. Mailing a écrit un livre, De l'art de philosopher au combat et au quotidien, qui ne s'est pas vendu, aussi peu. Elle a au moins pu nourrir ses chats. Noémie a été relâchée de sa prison pour femmes, qui d'ailleurs a dû fermer ses portes après que se soit répandue une étrange épidémie de crises cardiaques, survenant régulièrement à l'heure des apéros. Quant au colonel, il vit tranquillement sa retraite dans le sud de la France, dans une maison pour vieux nommée Repose-toi avant de crever. Oh, comment je te relis toutes les secondes entre elles, est trop fort.